Placer la culture sur le devant de la scène, telle est la politique volontariste du département de la Savoie. Aujourd'hui, ces élèves de 5e découvrent le travail de création d'une œuvre. Pour ce faire, ils assistent à l'une des répétitions de la X Compagnie, au programme de la danse contemporaine. Là, ils sont vraiment au cœur du processus de création. Qu'est-ce qui se joue, comment ça se travaille, quelle relation le chorégraphe a avec ses danseurs, avec le comédien, quelles relations ils ont entre eux, voilà, comment on pose les choses petit à petit, comment on essaye, comment on échoue, comment on doute, comment on reprend les choses. Chaque année, une cinquantaine de projets artistiques sont accompagnés financièrement et techniquement. Par exemple, des lieux sont mis à disposition des artistes. Cela permet l'émergence de jeunes créateurs, mais aussi de confronter les Savoyards à la culture. L'ambition, elle pourrait être de dire que ça devienne aussi naturel pour chacun d'entre nous, et notamment pour des collégiens, de croiser des artistes et d'échanger des artistes comme c'est naturel d'aller chez le boulanger chercher son pain. C'est de comprendre ce que c'est que le métier d'artiste, de comprendre comment on crée un spectacle, le fait qu'on monte sur scène voilà, quand c'est terminé, mais aussi de cette envie de dialogue que les artistes essayent de mettre en place avec les gens. La Savoie est un vivier d'artistes. Tous considèrent que l'art rend davantage citoyen. Les effets citoyens de la pratique artistique, c'est apprendre à mieux communiquer ensemble, apprendre le vivre ensemble, être un peu plus à l'écoute de l'autre, des capacités à s'exprimer. Enfin voilà, c'est concrètement des atouts, des, on pourrait même parler de compétences à un moment donné, qui peuvent servir au quotidien les gamins. Après les répétitions, place à un extrait de la pièce. Le but, leur faire comprendre ce travail de longue haleine. Un exercice rare pour ces jeunes qui ont très peu l'habitude de voir ce genre de spectacle. C'était original, j'avais pas l'habitude de voir ça. Des fois c'était drôle et puis des fois c'était plus triste. Il a du courage quand même de parler autant de temps, surtout que là on a vu qu'un quart d'heure et pas toute la pièce. Oui, j'ai bien aimé parce que en plus ils l'ont fait dans le rythme, enfin, comme il a parlé. Du coup c'était bien. Cette rencontre est donc un succès. Un succès auprès des enfants, mais aussi des adultes. L'action culturelle du département de la Savoie a lieu dans plusieurs lieux de vie. Des établissements scolaires aux hôpitaux, chaque citoyen goûte à un peu plus de culture chaque jour.